Allô la gang, j'espère que ça va bien et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est mardi le 14 2020 et dans les 10h et quelques, je pense, c'est à peu près 10h51, je pense. Aujourd'hui, je suis en congé puis c'est journée ménage, un petit peu de popote, pas trop par exemple parce que j'ai fait full popote dans les derniers jours. J'ai congelé bien des affaires parce que j'avais fait une chier de bouffe. Pour vrai, c'est ridicule là, mais bon. Ah, des linges, je vais pas. On a ça. Là, je voulais vous montrer pour commencer des cotons que j'ai fait au début de la semaine. Donc, j'ai celui-là. J'ai fait lui aussi. J'ai fait celui-là. Celui-là. Et celui-là. J'en ai fait 6. Et j'en ai 2 autres de fait que je dois laver aussi. Fait que ça, je vais déjà les laver à la machine pour qu'ils soient prêts pour la vente. J'aimerais en faire d'autres aujourd'hui. J'aimerais aussi, bon, je vais faire du ménage. Par la suite, je vais essayer de faire d'autres bombes pour le bain. J'ai 2 savons de prêt que je peux démouler. J'ai un zoom d'équipe It Works ce soir à 8h. Puis, j'aimerais ça faire quelques stories pour It Works. Puis, faire des pubs pour ma page Facebook, ben pour mon Facebook It Works. Où est-ce que je présente mes trucs It Works, là, parce qu'en fait, c'est mon Facebook personnel aussi. Puis, c'est pas mal ça. À venir à date, la semaine passée, dimanche, je pense, samedi, ouais. J'avais filmé ma routine du soir, mais finalement, c'était comme pas mon goût. La vidéo a vraiment pas été longue, pis tout. Fait que je vais la refilmer cette semaine. Puis là, j'ai ma petite maman. Là. Ma petite Nutelle. Puis, Pantouf est en train de manger un petit peu. Fait que moi, sur ce, je vais continuer le ménage, à commencer par la cuisine. Attends pas. Bon, ça c'est un genre de crash test, là. C'est la deuxième fois que j'essaie de faire du savon. Il y en a un qui a décapé par en dessous. Fait qu'il y en manque un bout. Celui-là, là. Tout ça, celui que j'ai la misère à sortir. Lui, il est pas si mal. J'ai vu mieux. Mais, j'ai passé le son. Je pense pas honnêtement que je vais changer de. De produit pour le fabriquer parce que. Ça, c'est comme du savon, comme plus à modeler. Faire des sculptures peut-être. Fait que je pense que je vais changer de choses. Je pense que tu vas faire mon fromage avec de la glycérine et tout ça. Fait que. Mais par exemple, je viens de dire, il sent super bon. J'ai mis des huiles essentielles dedans. Puis il mousse très bien, là. Il lave très bien. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais les garder quand même pour qu'on se lave. Ça, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Fait que je pense que je vais changer mon. Ma formule parce que ça fait. Tu sais, ils disent de laisser sécher 4 jours. Ça fait 4 jours qu'il sèche. Même plus que ça. Parce que je les ai faites. Mercredi passé, ouais. Fait que ça va faire une semaine, tu sais. Okay. C'est un jour de petit crash test. C'est ça qui est ça. Rebonjour les copains, il est rendu 11h36. J'ai passé le balai, la moupe partout. Je suis fermée ma porte armoire dans la salle de bain parce que je sais que ça va me gosser. Mais quand je vois des portes d'armoire ouvertes, là, ça me fatigue un petit peu. Bon. Ok. J'ai été mettre une brassée dans la sécheuse, j'ai une autre brassée dans la veuve de partie. Enfin, je lève notre panier en linge qui est comme un tissu. Puis le tampon de ce qui va après ma main tous les deux comme ça. Puis, dans le fond, ça c'est le fun parce que c'est pas des jetables comme d'autres marques. Dans le fond, c'est des réutilisables. Fait qu'on peut le laver jusqu'à au-dessus de 100 fois. Puis à la limite, par la suite, on peut en rajouter d'autres charges. Je vais faire mon ménage chez nous quand même. Quelques petites choses que je veux ranger. Je vais avoir du linge aussi à plier. Je vais avoir ma vaisselle à ramasser par une autre batch de vaisselle. Mon bain est en train de tremper.
puis je suis en train de la laver dans le fond. Là. Et puis, ma toilette est lavée, mon lavabo de salle de bain aussi. Fait que mon ménage va quand même dis, bon train. Fait que là, je continue mon ménage. Il est rendu 12h40. Les cocos et les cocottes. Je suis en train d'écouter des vieux vlogs de Tellement Mom, genre 2016. Puis là, je mange le dîner le moins gastronomique ever. Juste avant, je vais vous informer que j'ai mangé un cocon au complet. Fait que je mange pas rien. Ma face. Fait qu'il y a des petits salpettes et un peu plus au sol. Allô les cocottes. Les cocottes. Et je suis en train de faire une autre bombe de bain. Une autre que, ben, en force, c'est un test, celle-là. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme juste une petite recette. Là, je m'apprête à faire ma vaisselle. Puis ramasser mon avicolinaise, mon bicarbonate de soude et tout ça. Puis là, j'ai mis plus de couleurs que la dernière fois. Fait que, yes, ça devrait le faire. Fait que là-dessus, moi, je vais faire ma vaisselle. Mon zin était super bon. Je vais vous mettre ma canne de barbe. Puis après ça, je vais probablement faire des nouveaux cotons. Fait que, yes, pépito, gars. Oh là, les copains. Je sais pas si... Excusez. Non, je suis... J'ai aucune idée du cadrage de la barbe. Mais j'ai fait un sondage sur Instagram au début de la journée pour savoir si bien que dans le vlog je parle de mes thés que je bois plus l'été, que j'aime en glacé. Il y en a que je vais vous nommer, mais que je n'ai comme plus en sac. Premièrement, Trésor des Caraïbes, très très bon. Un bon petit goût fruité, en glacé, c'est écœurant. J'aime beaucoup ici Marne de Moringa qui me fait penser un petit peu au thé glace au cantalou qui a pu. Ce glace au cantalou, sérieux, ça peut être un deuil pour moi quand j'ai vu qu'il y en avait des plus parce que je l'adore, il est tellement bon. Par la suite, il y a Pêche d'enfer qui est super bon aussi en glacé, que j'aime bien aussi mêler avec limonade électrique. Fait que je mets comme une cuillère parfaite de chaque. Ça fait comme un thé limonade au pêche, c'est super bon. J'adore aussi Citron frappé. Celui-là, je trouve qu'il goûte. Je sais pas si vous avez connu ça. On avait ça en ligne dans ce que quand j'étais plus jeune, c'est des petites boules à peu près grosses comme ça. C'était jaune au citron. Je trouve tellement que ça goûte ça, ça goûte tellement bon. Ça, c'est un nouveau que j'ai essayé. Puis c'est spiruline marine. Lui, c'est un thé blanc. Citron frappé, c'était une tisane. Pêche d'enfer, c'est un peu vert. Puis glace au cantaloupe, je ne me rappelais plus. Puis marc de moringa, c'est une tisane aussi. Par la suite, là, je vais juste un petit sachet comme ça. Là. J'ai jamais des petits sachets comme ça. Mais c'est une amie qui me les avait donné. Il y a Bellini Litchi qui est un thé noir. Puis sérieux, il est super bon. Il y a Moscou Mio qui est écœurant aussi. Celui-là coûte quand même pas mal, le gingembre, le concombre, le citron. Une petite touche poivrée aussi, je pense que. Oui, il y a de l'amande poivrée dedans. Pour vrai, là. Écœurant. Sangré pétillant, pour moi, c'est un classique. À chaque été, je m'en rachète. Puis écœurant. Il y avait Rosé Aldi aussi qui était super bon. Et que ça avec, j'ai comme remarqué que j'en avais plus. J'aime pas mal tout l'été chez Davity, mais l'été, c'est principalement eux que je bois en glacé. Si justement vous avez des thés chez Davity que vous aimez vraiment beaucoup, tout ça, ben dites-moi là. Puis, pour vrai, moi, les sortes que vous aimez beaucoup, peut-être que je les essayerai. Je compte faire une vidéo peut-être sur l'été prochainement. Ou peut-être cet automne, mettons mes essentiels de thé d'automne, après ça l'hiver, printemps, puis tout ça. Serait bon, je bois du thé à l'année. Puis là, ça fait comme une semaine et demie, j'en ai comme pas bu. Fait que c'est sûr que je vais m'en refaire aujourd'hui. En étant au Zoom It Works ce soir. Fait que c'était le segment d'Avidity. Oh, parfait.
Fait que là, gang, j'ai mis un mélange de légumes râpés que j'avais déjà. Il m'en restait un petit restant, là, fait que pour pas le perdre, je l'ai mis dedans. Poivron rouge, champignons, oignons. Avec un peu d'huile d'olive. Mais tout de suite, je vais faire des couleurs. Fait que comme ça, il va déjà avoir une partie faite. Fait que pendant que mes vermicelles de riz, dans le fond, ils vont cuire, je vais pouvoir comme. Je vais juste réchauffer mes légumes. Oups. Il y a un méchant gros morceau d'oignon aussi. Fait que je vais pouvoir les faire réchauffer dans le fond. Puis là, j'ai mon poulet qui est au four. Mes petits hauts de cuisse. Ça va être full good. Tu, ben, moi, je vais continuer à faire mon soupe. On va faire notre chocolat, les gars. Rebonsoir les coucous et les coucoutes. Il est rendu 20h15. Puis là, désolé de l'angle de la caméra. Puis désolé. Je viens de vous rater. Je suis vraiment désolée. Je suis en train d'écouter l'entrevue de Rock Voisine à Sucré Salé. En mangeant ce popcorn. Puis j'ai mon thé qui est en train de. Finalement, d'infuser. Ce soir, j'ai décidé d'y aller pour un thé d'automne parce qu'il faisait gris aujourd'hui. Hein? Fait que je vais pour un bon chai s'more. C'est dans pas long, comme dans une minute, il va être prêt. Puis dans 15 minutes, j'ai mon Zoom d'équipe et toi, j'ai tellement hâte. On a plein de belles questions à se poser. On va parler des vraies affaires, puis tout. Fait que yes, pépito, tout le monde.